Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de motivation, ménage, vie de maman à la maison. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour me soutenir, pour que la vidéo soit mise en avant. Merci beaucoup. J'espère vraiment que ça va vous motiver. J'espère vraiment que ça va vous pousser à vous lever et faire quelque chose. J'espère surtout que vous allez bien et vos bébés aussi. Allons-y dans la vidéo. En ce moment-ci, le soleil se lève très tôt à Yaoundé. Et moi aussi, je mets le linge dehors tôt pour profiter du premier rayon de soleil jusqu'au dernier rayon de soleil. Quand vous lavez les habits et que ça sèche le même jour, c'est toujours mieux que de le traîner chaque jour dehors. Les vêtements qui sont sur le sèche-linge là, ce sont les vêtements que j'avais lavés la veille, mais un peu vers 14 heures. Du coup, ça n'a pas bien séché. Et je mets dehors l'autre linge que le même soir de la veille. Je n'ai pas pu étaler parce que je trouvais qu'il se faisait déjà tard. Là, j'avais lavé les vêtements d'école des enfants, dont les sous-vêtements, chaussettes, collants, démembrés et caleçons. Vous savez, l'école de mes filles, c'est chaussettes blanches ou collants blancs. Étant donné que à Yaoundé, il y a la terre rouge, une terre qui colle vraiment sur les vêtements, ce qui est blanc comme ça, je brosse carrément. Les vêtements qui sont blancs comme ça, pour que ce soit bien propre en machine, il faut mettre beaucoup de savon et beaucoup de détachant. Et quand ce n'est pas propre au sorti de la machine, je n'hésite pas à brosser carrément pour que la chaussette soit blanche ou que le collant retrouve son éclat. Je préfère avoir un vêtement vieux et propre que d'avoir un vêtement qui est sale marron avec une mauvaise couleur. Dont les chaussettes, je vous assure, je mets mes mains à l'intérieur de la chaussette quand c'est trop sale et je brosse carrément, vraiment les mamans, je brosse carrément les chaussettes de mes enfants. Il y a des fois où la machine à laver lave ça très bien avec savon plus détachant, mais il y a d'autres fois où je n'ai pas de détachant. Je suis obligée de faire le lavage à la machine et contrôler si ce n'est pas propre. Je continue avec les mains. C'est dommage de faire ça avec une machine à laver, mais vraiment, je n'ai pas de choix. Maintenant que j'ai fini d'étaler le linge, je viens faire un petit ménage au balcon de devant. Parce que là, j'ai mis le linge au balcon de derrière, car le balcon de devant n'était pas encore nettoyé. Vous savez, à Yaoundé, qui dit soleil dit poussière, carrément. Donc en ces temps-ci, il y a le soleil, il y a la poussière et il fait extrêmement chaud. Donc avec les motos qui passent, les voitures qui passent, le balcon est vraiment poussiéreux et personne ne peut même s'adosser. Avec le chiffon microfibre, je vais enlever la poussière sur le balcon, sur la porte et sur la fenêtre. Parce que quand ça reste longtemps comme ça, la poussière se dépose en plusieurs couches et même les toits d'araignée commencent à se former. Je vous motive ainsi à entretenir l'intérieur et aussi l'extérieur de la maison.
Je vais prendre le petit balai traditionnel pour bien enlever la poussière et enlever les toiles d'araignée là-bas au balcon. Parce que le balai à main là n'allait pas bien balayer comme je voulais. Mon balai traditionnel est vraiment déjà fini. Je ne sais pas pourquoi je paraisse beaucoup à acheter le balai traditionnel. Quand ce n'est pas ma mère qui achète pour m'offrir, vraiment, ça doit finir jusqu'à devenir petit. Et puis je vais penser à ça. Après avoir balayé, je vais venir laver en utilisant mon balai serpillière avec seau et sureau qui est très facile et qui me facilite vraiment la tâche au quotidien. Après avoir terminé au balcon, j'ai également fait le ménage au salon. La même routine que vous connaissez, enlever la poussière, essuyer, balayer et laver. Je n'ai pas filmé parce que c'est tout récemment que je vous ai partagé une vidéo de ménage au salon en changeant les rideaux. N'hésitez pas à checker si jamais vous avez besoin de motivation ménage dans le salon. Ensuite, je passe à la cuisine. Avant de mettre le linge à l'extérieur, j'avais fait la vaisselle. Quand je me suis levée, après avoir pris mon cappuccino, j'ai d'abord fait la vaisselle. Mais ça, je n'ai pas filmé. Donc maintenant, je vais venir essuyer les marmites que j'ai lavées et tout bien positionner. Les assiettes étaient déjà à leur place, tout était bien rangé. J'ai acheté le paquet de paille aux filles et elles aiment tellement. Même pour boire de l'eau, elles mettent la paille dans le gobelet. Comme ce sont les congés, elles s'amusent bien avec. Boire de l'eau, boire le jus, elles sont super contentes d'avoir ça. Ça fait partie de leur divertissement des congés en fait. Mon cappuccino, ça c'est la deuxième boîte. Je suis en train de vraiment vite boire ça. Ça c'est la deuxième boîte et la troisième boîte n'est pas encore ouverte. Et vraiment merci une fois de plus à ma copine, l'abonnée qui m'a offert cela. Je suis trop contente. J'avais acheté cette boîte de noix de muscade à 1000 francs. Il y a de cela plus d'un an, peut-être même 2 ans, je vous avais montré. Ça, c'est vraiment économique d'acheter ces noix de muscade comme ça en grande quantité. Pour 1000 francs, est vraiment plus beaucoup que si quelqu'un avait acheté pour 100 francs. C'est une astuce économie. N'hésitez pas à appliquer l'astuce rangement. Pour avoir une cuisine bien rangée et fonctionnelle, vous pouvez faire des étagères et classer les étagères par rapport aux choses que vous utilisez le plus au quotidien. Donc plus haut, les choses que vous n'utilisez pas trop et à portée de main, les choses que vous utilisez au quotidien. J'ai aussi nettoyé mon filtre à eau et chargé de l'eau à l'intérieur. Ce filtre, on l'a depuis, mais chaque 6 mois, on remplace les accessoires. Il y a le tamis et il y a un charbon là qu'on met à l'intérieur. Chaque 6 mois, on remplace. À un moment donné, on a cherché les accessoires fatigués. On était même prêt à remplacer carrément tout le filtre. Mais net au moment où on s'apprêtait à remplacer le filtre, les accessoires ont apparu sur le marché et on était trop contents. Ça nous a fait beaucoup d'économies. Quand je remplis le filtre comme ça, je puise directement de l'eau dans le seau, je pose et ça décante. C'est l'eau qui est décantée que je verse dans mon filtre. Donc c'est ma petite façon à moi de veiller à ce que ma famille boive de l'eau propre, vu qu'il n'y a pas les moyens de boire uniquement de l'eau minérale. N'hésitez pas à appliquer l'astuce et c'est mieux comme ça pour la santé. On a moins de typhoïdes, moins de mal au ventre.
Cette boîte transparente, c'est celle dans laquelle je mets tout ce qui est ustensile de bébé, que ce soit les biberons ou ses assiettes. Je mets dans cette boîte transparente et je ferme. Donc là, j'avais aussi lavé, mais je n'avais pas bien égoutté. Du coup, j'ai pris le sopalin pour bien enlever de l'eau avant de remettre dans la boîte transparente. Là, c'est l'ustensile dans lequel je mets les fruits et les crocs. Je mets l'ananas dedans, la pastèque, les mandarines et je donne à bébé. Ça lui permet de manger toute seule, de prendre ses fruits toute seule. Dans cette boîte de conserve-ci, j'écrase les pommes, pois, bananes. Je mets à l'intérieur, je mets au frigo et bébé mange tout au plus au bout de 24 heures. Le pédiatre m'a recommandé de lui donner les fruits chaque jour. Chaque jour. Les boîtes de conserve que vous avez vues là, j'avais acheté effectivement les compotes à l'intérieur. Pommes, pois, bananes et pommes. Justement, quand j'ai fini d'utiliser les trois là, je n'ai plus acheté. J'utilise maintenant les boîtes pour moi-même faire mes compotes maison et c'est beaucoup plus économique. Je continue mon ménage en nettoyant le frigo. Le frigo était presque vide. J'étais à, je crois, 2 jours des courses. Donc, j'ai bien nettoyé le frigo, enlevé tout ce qui était saleté. Vous savez, pendant les congés, les enfants mangent beaucoup. Du coup, tout ce qui avait été prévu pour toute la semaine, les filles ont mangé cela en 2 jours. Carrément, en 2 jours. Tous les fruits qui étaient prévus pour la semaine, les enfants te mangent ça pendant les congés en 2 jours. Parce qu'elles jouent, elles se fatiguent un peu, elles viennent, elles ouvrent le frigo. Elles jouent, elles se fatiguent un peu, elles viennent te voir. Maman, est-ce qu'on peut prendre tel truc? Est-ce que vraiment pendant les congés, je pense que la ration doit doubler. Carrément doubler. Je sais que ce n'est pas seulement mes enfants parce que j'ai écouté beaucoup de mamans dire que pendant les congés, les enfants mangent beaucoup. La porte du congélateur était beaucoup plus sale parce que c'est à la portée de bébé. Elle essuie déjà ses mains dessus. Voilà pourquoi j'ai insisté en mettant le liquide nettoyant pour bien enlever les saletés qui étaient collées là. Je continue en nettoyant ma plaque. Ma cuisinière, c'est un endroit que je nettoie chaque jour. Je ne peux pas poser la mamie sur ma cuisinière sans avoir nettoyé. Le matin, je nettoie toujours avant de faire quoi que ce soit. Même si j'avais nettoyé la veille, je me dis qu'un cafard peut traverser et entrer là. Ce sont des gestes qui, pour moi, ne me prennent pas 5 minutes. Désolée pour mon vêtement qui est tout mouillé. Je vous dis vraiment la vérité, il fait chaud en ce moment à Yaoundé, extrêmement. Il fait extrêmement chaud. Ma cuisine, c'est l'endroit de ma maison que je trouve un peu encombré. Mais je ne peux pas désencombrer plus que ça parce que ce sont des choses dont j'ai besoin. J'ai même pris certaines marmites et envoyé chez ma mère juste pour qu'elle m'aide à garder. Et je récupère quand je veux peut-être recevoir les gens. Sinon, je ne peux pas réduire les choses dans ma cuisine plus que ça. Ce sont des choses dont j'ai besoin au quotidien. Ça, c'est le désencombrement masque que j'ai fait. J'avais même vendu certains ensembles de marmites parce que ça ne me servait pas et je trouvais que j'en avais beaucoup. Je me suis fait un peu d'argent avec ça. Après avoir tout nettoyé et rangé, je vais balayer le sol de la cuisine puis laver pour terminer. Sous le plan de travail de ma cuisine, vous m'avez conseillé de mettre un rideau ou de mettre des portes. Mais vraiment, je traîne à le faire depuis. Je ne sais pas pourquoi mon corps pèse à m'engager vraiment depuis.
J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Commentez s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la partie de la vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me laisser une observation, une astuce ou un conseil. Vos conseils sont toujours la bienvenue. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!